Dog's Quest. Avec des graphismes que je vais régler en fantastique. Oh putain, oh vous êtes pas prêts. Oh vous êtes pas prêts. Oh putain. Oh si vous saviez. Oh vous savez pas. Vous savez pas. Mais non. Mais non, c'est terrible. C'est réel. C'est aussi badant que l'autre. C'est aussi badant que l'autre. Il s'appelle Champion. C'est le meilleur chien. Merci Elarcis pour tes 6 mois de sub. C'est nul. Mais non, c'est pas nul. Regarde. C'est Dog's Quest. Merci Natfro pour le sub prime. Merci Mister Milon. Merci Jeff Capcan pour les sub prime. Merci beaucoup. Bon. Cliquez sur les 3 boutons des lettres pour reset your data. Non mais ça va pas, non, mais c'est, il est aussi chelou que l'autre. Il est aussi chelou. Il est aussi chelou que l'autre jeu. C'est un jeu qui est fait avec des assets Unity. Tout a été fait avec des assets. Mais combien je l'ai payé? C'est des fils de pute. Ils ont pris des cubes et ils ont fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est paru il y a une semaine. Et je l'ai acheté 4 euros. Alors, on va bien compter les euros, hein, pour voir si. Mais c'est incroyable! Tout le reste, donc en soi rien du tout, par Andy Zelonis. Donc Andy Zelonis nous a dépensé. Je pense qu'il a pas remboursé les assets en vrai. Merci aux youtubeurs qui ont joué à mes jeux. De rien! De rien! Ça me fait plaisir! Ça l'a motivé à faire Dog's Quest. Eh ben écoute, j'espère que tu feras plein d'autres jeux avec des assets Unity. Alors, Andy Zelonis. Alors, on y va. Peut-être. Vous n'avez pas frisé. C'est génial! Bonjour champion! La gueule qu'il a! Bon matin, Nyon! Comment ça va? J'ai chanté la chanson du bannissement toute la nuit pour éloigner les monstres. La reine est sur l'ordinateur. Excellent travail, Nyon! Si tu es prêt à te reposer, je vais prendre le relais pour garder la reine. Est-ce que ça va, champion? Tu as l'air troublé. J'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière. La balle rouge s'était échappée de la main de la reine et je pouvais courir autant que je voulais. Je ne pouvais pas aller la chercher. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le mec est sérieux ou il est pas sérieux? C'est la même chose. Est-ce qu'on est dans un troll ou pas? Champion a fait un cauchemar. Il a fait un cauchemar où il pouvait plus attraper la balle. Mais ça tue. Un mauvais présage, champion. Je dormirai sur une seule oreille pour être sûr qu'elle soit en sécurité. Qu'elle soit en sécurité. Merci. Attends, est-ce que tu sens cette odeur? Un monstre! Vite! Aboie et fais-lui peur! Cliquez sur les sphères rouges pour aboyer et éloigner les monstres. Oh, partez, monstre! Bravo, champion. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se cacher devant ton nez. Quoi? Oh, j'avais oublié leur odeur horrible. Peu importe. À propos de la balle rouge, est-ce que tu l'as vue? J'allais te le demander. Un mauvais présage, en effet.
Ouais, eh bien, elle aura sûrement roulé dans la dans l'herbe. Est-ce qu'ils en viennent de chasser des monstres? On les a même pas vus. Est-ce qu'elle pourrait être à l'intérieur de la maison? Regarde, il arrête pas de s'asseoir et de se relever. Je vais aller vérifier. Va près de la route pour voir si tu peux la trouver. Ouais, il court trop vite, champion! When one of the paw prints to champion, press space to extend how long you can run before you get tired. Genre là, je fais. Paf! 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 Oh, c'est insane! Le gameplay est fouillé! Le gameplay est vraiment fouillé! Ok, on va chercher la balle. Est-ce que la balle, elle est là? C'est insane! Regardez la vitesse à laquelle je vais! Je suis comme une voiture. Ah, oh, c'est un monstre. Partez. Qu'est-ce que c'est? Partez, monstre. Non, attendez, je ne suis pas un monstre. Tu ne peux pas. Tu peux pas me tromper. Je sais comment sent un monstre. Comment ils sentent? Est-ce que tu parles de mon brocoli et mes asperges? Qu'est-ce qu'ils. Oh non, je peux pas. Ah, c'est ça! Bah, je comprends pas ces mots, mais apparemment il parle de vomi. Je suis désolé, je pense que j'y suis habitué à cette odeur. C'est pas grave. Je préfère que tu le manges plutôt que tu manges des délicieux cubes de bacon que la reine met dans mon bol. Oui, eh bien, heureux de te rencontrer. Mon nom est Monsieur Oreille. Mon nom est champion. Vraiment? Je crois que je viens d'entendre la reine t'appeler pour des muffins. Oui, eh bien mon nom est champion. Mais la reine, dans sa sagesse infinie, m'appelle muffin. Les humains peuvent être si étranges. Je me suis toujours demandé pourquoi un humain m'avait appelé Monsieur Oreille. Peut-être parce que ton humain aimait tes oreilles. Ne laisse pas mes problèmes te déprimer. Comment puis-je t'aider? Je cherche une balle rouge. Est-ce que tu l'as vue? Elle n'a pas roulé par ici. Si je la vois, je te le dirai. Merci. Je vais retourner protéger la reine. C'était un plaisir de te rencontrer. De même. Au revoir, champion. Au revoir. Putain de merde. C'est insane. Quand champion sent la présence de monstres, le monde devient plus sombre et les. Et les ombres s'assombrissent. Retournez à la maison et protégez la reine. Vite! Vite, champion! La reine est en danger! Ouf, ouf. Là, c'est juste des brocolis et des asperges. Putain, c'est insane. Ce jeu est insane. Les 4 euros sont déjà remboursés. En vrai, j'aurais payé 60 pour tout ce que j'ai vu ici. J'espère que vous êtes heureux d'être là. Hein, parce que c'est complètement insane ce qui se passe. Un monstre! Oh! 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 Putain, mais les monstres sont pas modélisés? Ah si! Ah non, c'est mon. C'est un fantôme de mes ancêtres? Bien joué, mon descendant. Sensei! Putain, mais c'est pas possible! Il a un sensei! Il a un sensei! Mais c'est incroyable! C'est génial! Sensei! Comment va le monde des vivants, champion? Sensei, je ne peux pas trouver la balle rouge. Oublie la balle rouge. La vraie menace, est... ce sont les monstres qui attaquent ta reine. Mais si je ne peux pas trouver la balle rouge, tu as déjà la force, champion. Tu viens d'une puissante lignée de guerriers et nous sommes fiers de toi. Fiers de moi, Sensei? Tu as fait ce que nous n'avons pas pu faire. Tu as uni les animaux et même les humains. De mon temps, un humain qui vivait tout seul dans une forêt aurait été déchiré par les monstres. Mais je ne peux pas tuer les monstres. La meilleure chose que je peux faire, c'est aboyer et les faire fuir. Crois en toi, champion. Oh, c'est insane, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. C'est tellement bien.
Oh! C'est génial! J'ai jamais vu ça. Je viens de traverser le... J'ai traversé le Porsche. Du coup, je voudrais bien protéger la reine, mais... Ah, je vais aboyer. Oh! Barrez-vous! Fuyez! Monsters, bigonnes! Enfuyez-vous! Oh, des monstres encore! Partez! Ils sont partis. Il en reste? Il en reste! Ils sont partis. Ça save à chaque fois, c'est trop bien. Où ils sont maintenant? Ça, c'est Lapin, c'est Monsieur Oreille. Je vais aller reparler à Monsieur Oreille. Les boules vertes sont des monstres, effectivement. Sauf lui. Monsieur Lapin? Ok, Monsieur Lapin ne veut plus me parler. On va aller plus loin. On va explorer. Ça save, du coup, tu peux mourir. Ah ouais! La reine m'a interdit d'aller plus loin dans les bois. Je devrais revenir. Je m'en bats les couilles. Nique la reine. Putain, quand je m'essouffle, il fait... Mauvais chien! Tu ne devrais pas être aussi loin! Bad dog! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de cette texture? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! C'est incroyable! Il s'appelle comment? Evan? Je sais plus. C'est génial ce que t'as fait, mec. Je veux faire des jeux vidéo. C'est fantastique. Bad dev! Bad dev! What have you done? Merci Gandhi the Grey et Art Rock. Et Jordil, et Pif Paf Pouf, et Polo, et Hironova, et Monsieur Moon, et Perfectory, et Snyster, et Barpoda, et Alderito Cori, pour les 5 euros. Et ainsi Hysterica, qui a offert un sub à Stay Hydrated Bot. Le meilleur bot. Merci Kino, Kazu, Cocoez, Sebi Seba. Merci à tous. Je vous avais oublié. Et le jeu est tellement prenant. Le jeu est tellement prenant que j'ai... Je dois tellement protéger la reine. Je peux pas rentrer dans la maison et voir la reine. Ça m'étonnerait qu'ils aient modélisé la reine quand même. Ça m'étonnerait qu'ils aient modélisé la reine. Ma reine, où êtes-vous? Oh! J'ai traversé la porte! Elle est où la reine? Elle est en petite tenue? The fuck? Oh! Elle est pas là. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est insane! C'est le meilleur jeu! Marche arrière. Donc la reine. Oh, nique ta mère, elle est où la reine? Ils ont pas modélisé la reine, ces escrocs. Mauvais dev. Bad dev. You should protect the queen. You should make the queen. Mais du coup maintenant je dois faire quoi? Il y a des monstres? Alors là, je suis.
Bah oui, mais la reine, elle m'a interdit d'aller trop loin, mais... Putain, puis les oiseaux, ils sont vénères. Hein. Bon dogo. Il tire bien la langue, ce dogo. Mais où est-ce qu'on doit aller? Mais ouais, je sais, mais... Qu'est-ce que je dois faire? Depuis que mon sensei m'a parlé, je ne sais plus quoi faire. La reine, c'est un DLC, bah peut-être. Attends, le lapin, il peut peut-être m'aider là. Mais Nian, je sais pas où il est, Nian. On va recroiser Nian quand même. C'est bizarre, non? Il s'est pas arrêté là quand même. Il a tellement de potentiel. Comment on peut faire un jeu aussi nul? En vrai, moi, vu que je sais pas faire de jeu, je pense que si j'en faisais un, ce serait comme ça. Ce serait un truc comme ça, non? Genre, en tryhardant, j'arriverais à faire un truc comme ça, je pense. Ce serait ouf. C'est marrant quand même que quand on charge dans les objets, on peut passer à travers. Je trouve ça assez rigolo quand même. À mon avis, il reste des monstres. Parce que j'étais en train de tuer des monstres. Du coup, il reste peut-être des monstres que j'ai pas trouvés. Vous en avez vu ou pas? À part le trou du lapin. Oh, c'est quoi ça? Non, mais il abuse. Il a mis un crâne de T-Rex, mais pourquoi? Pourquoi t'as mis un crâne de T-Rex ici? C'est-à-dire que ça, il l'a mis dans les crédits, genre merci pour ce crâne de T-Rex qui a été très utile dans le développement de mon jeu. Mais attendez, il y a un vrai problème. Le jeu s'arrête pas là. Bon bah, écoutez, je vais revenir dans ma... Je vais aller dans ma... Oh! Ah non, c'est le lapin. Mais c'est ouf, c'était que ça le jeu. Attendez, je relance le jeu. Ça se trouve, j'ai softlock le jeu. T'as eu la bad ending, celle où ton sensei arrive et te dit on est fier de toi. Un, ça fait. Merci Parasite pour tes 19 mois, merci Gandhi the Grey encore. Merci Rage of Gaming. Le T-Rex, sûrement un easter egg. Mais c'est ça, je pense. Il l'a juste mis là pour faire. Oh, trop marrant. Ok, on va voir. Est-ce qu'il a chargé ma partie déjà? Ouais. Il a bien chargé ma partie. Ça veut dire que ma partie elle est buggée? Ou que c'est que ça vraiment? J'attends devant la porte. Parce que quand le CSA est arrivé, tu vois, il... Oh! C'est bon! Excusez-moi, champion! Souris, la reine t'a banni de la maison. C'est bon, yes, ça recommence! Je sais, je ne reviendrai plus dans la maison, je suis désolé. Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est Nian, le chat. Tu vois, la nuit dernière, je t'écoute, mon ami. Elle s'est faufilée derrière moi et elle m'a chatouillé, sans merci. Et elle a dit qu'elle reviendrait cette nuit pour le refaire. Je suis désolé d'entendre ça, mon ami. Elle n'est d'habitude pas comme ça.
Si tu peux la faire arrêter, je ferai n'importe quoi pour rendre l'appareil. Je ne peux pas faire grand-chose, je suis juste une souris, mais je trouverai un moyen. Oh, tu peux certainement m'aider si tu le veux. J'essaie de trouver la balle rouge. Non, tu essaies de protéger la reine. Arrête avec la balle rouge, c'est de l'égoïsme. Oh, je peux faire ça. Je m'y mets. Merci. Je serai autour de la maison si tu as besoin de quelque chose. Regardez, elle va où? Elle va où? Je vais chercher la balle rouge! J'y vais! Comme ça, le chat, il arrêtera de me chatouiller parce que le développeur était sous drogue. Oui! Ah, j'ai disparu parce que le développeur était défaillant. Yes! Ça, c'est un vrai jeu. Donc, il faut que je trouve Nian. Il faut que je trouve Nian. Il faut à tout prix que je trouve Nian. Mais je sais pas. Oh, des monstres! Champion est plus fort. Plus de sphères apparaîtront dans le mode aboiement. Yes! Je savais que c'était pas tout. Je savais que le jeu était extraordinaire. On va encore en profiter. Plus de sphères. Plus de sphères. Allez hop, monsters be gone. Écureuil, je te sens. Écureuil maléfique, je te trouverai. Il est psychop... Il est complètement débile ou quoi, ce chien? Il est en train de... Il est comme ça et un jour, à un moment, il fait « Écureuil! Écureuil maléfique! » Faut trouver l'écureuil maléfique. Il doit être dans le coin. Écureuil de merde! Je te trouverai! Alors, il faut que je trouve un écureuil là. J'avais parlé au lapin. Si tu ne trouves pas l'écureuil, appuie sur H pour avoir son sa position. Écureuil! Je sens écureuil! Je vais te trouver! Écureuil maléfique! Ah, bah si c'est pas. Champion! Qu'est-ce que tu veux, écureuil? Je veux que ta reine soit mangée par des monstres et que toi et Nian viviez avec la honte d'avoir échoué. Descends de cet arbre et insulte ma reine encore. Elle le mérite. Après avoir jeté des choses à cette pauvre souris et l'avoir bannie. Il mangeait dans son assiette. Même moi, je ne peux pas faire ça. C'est un tyran. C'est dommage qu'elle ne soit pas aussi gentille et magnanime comme le roi des écureuils. Je doute que ton roi te donne des cubes de bacon. Le bacon ne vient même pas de cubes. Ta reine ne te donne même pas du vrai bacon. Mensonge! Yes. Mensonge! Le bacon est fait en cubes! Espèce d'écureuil maléfique! Je vais t'aboyer dessus! Non! Ne m'aboie pas dessus! Squirrel, be gone! C'est incroyable. Je suis choqué. Choqué à quel point c'est bien. Je vous avais dit que ce soir serait un gros niveau. Hein. Je vous l'avais dit. Il y en a qui m'ont pas cru. Il y en a qui sont même pas venus. Monster, be gone! Ah, des monstres. Oh merde, j'en ai loupé. Monster bigone. Où sont les monstres? Ah!
Ouais, Nian! Désolé d'avoir été si long. Tu sais comment la reine est quand elle refuse d'ouvrir la... de laisser la porte ouverte. Hey, salut Nian, je dois parler avec toi. Qu'est-ce qu'il y a, champion? Tu dois arrêter de chatouiller la souris. Hein? Pourquoi? C'est juste une souris. Pourquoi? On s'en fiche. Ça ne... Toi, tu t'en fiches. Et moi, je m'en fiche un peu. Mais lui, il s'en fiche pas. Il s'en fiche vraiment pas. Très bien, j'arrête. J'arrêterai. Merci. En tout cas, la balle rouge n'est pas dans la maison. Mais j'ai eu une vision. Merci Graham Tally pour tes 11 mois. Hystérica qui a offert un sub à Poutine Boule, Bulle. Merci Kitsune Nosaka. Good Doggo. Merci Knowles04. Merci Rage of Gaming. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce jeu vous plaît. C'est extraordinaire. Elle n'est pas sur la route non plus. Quelle vision! Cette succession de monstres peut seulement signifier la présence d'un boss. Ma vision disait que tu l'avais déjà rencontré. L'écureuil? Une créature. Elle peut avoir plein de pouvoirs étranges. Nous devons être prudents. Je le trouverai. Toi, tu protèges la reine. Je lui donnerai mon avertissement habituel. Lui montrer mon ventre signifie qu'elle est en danger et sans protection. Est-ce que ça marchera? Et si elle pense que tu veux qu'elle gratte ton ventre? Oh non! Si elle vient gratter mon ventre, je la pousserai avec ma patte. Très bien. Je serai de retour bientôt. Sois prudent, mon ami. Incroyable. Attendez. Je devrais y réfléchir et réfléchir à qui est le monstre. Mais c'est le lapin! C'est le lapin! C'est Monsieur Oreille, puisqu'il avait une odeur. Et il a dit, ouais, c'est des brocolis. C'est juste des brocolis et des asperges. Mon œil. C'est le lapin. Huge eyes. Attends. What is the terrible trait common to all monsters? Squeaky voice. Être chatouilleux. Des gros yeux. Une odeur terrible. Tous les monstres sentent vraiment mauvais. Qui sent vraiment mauvais? On dirait Dora l'exploratrice. Monsieur Oreille. Ça doit être Monsieur Oreille. Je ferais mieux de retourner à son trou et lui aboyer dessus. J'espère qu'on se trompe pas. Y a plus de son? Je relance le jeu. Merci Vintard 21 pour tes 5 euros. Ah, je l'ai bien prononcé. Ah. Appuie sur V. Ah merde. Imaginez si vous vous trompez, genre si vous dites que Nian c'est le monstre. Oh, imagine Nian, Nian c'est peut-être un traître. Nian c'est peut-être un traître. Eh bien, monsieur Oreille, il est temps pour toi de partir comme tous les autres monstres. Ne m'appelle pas comme ça, ce n'est pas mon nom. Ah ouais, quel est ton nom alors? Tout le monde parle toujours de mes oreilles. Mais personne ne parle de mes yeux. Et mes yeux alors? Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Rien, tout va bien avec mes yeux. Mes yeux sont parfaits. Oh putain, ils sont éclairés. Je suis... Arrête de me regarder! Oh, c'était lui! Oh! Dégage! Monster, behold! Behold!
Faut que je reste appuyé, sinon ça va devenir sombre. Où il est le boss? Il est là. C'est dur. Tiens. Non. Monster Bigone. Champion est devenu le plus fort. Des sphères vertes feront le double de dommages au monstre. Champion, bonne nouvelle. J'ai été checké sur la radio Rodent et ils savent où est la balle rouge. J'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. J'ai parlé avec Nian et elle a accepté d'arrêter de te chatouiller. Vraiment? Oh merci, merci beaucoup. Oh de rien. Donc où est la balle rouge? Apparemment les boueurs l'ont emmené à Basura, la dimension des ordures. Cet enfoiré, je sais pas comment on traduit. Toutes les semaines, il vole les ordures que la reine a fait si durement. A travaillé si durement pour. Je sais pas comment. Et maintenant, ça! Je suis désolé, champion. J'apprécie ta sympathie. Oh, bonjour! Bienvenue dans le voisinage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bienvenue dans le voisinage. Hey, salut, monsieur Ruby Eyes. Ce n'est pas mon nom. Mais est-ce que ça peut être mon nom? Je ne vois pas. Pourquoi pas? Enchanté, Ruby. Yeux Ruby. Et toi, quel est ton nom? Niblish. Et ça, c'est champion. Quel jour merveilleux. Avant, je faisais des cauchemars sur les monstres et maintenant j'ai des nouveaux amis. Si nous travaillons tous ensemble, nous n'aurons plus à nous inquiéter des monstres pour l'éternité. Veux-tu te joindre à nous? Certainement, mais comment faire? Je ne suis qu'un lapin. C'était ce que j'ai dit sur le fait d'être une souris. Plus tard ce matin, après que Champion, Monsieur Oreille et Niblish soient devenus des bons amis, j'ai faim. Oh, j'espère qu'il y a de la nourriture dans mon bol. Fonce, Champion! Va te nourrir! Oh! Il y a un putain de cerf qui est en train de bouffer! Dégage! Eh, hey, bonjour mon ami, pourquoi es-tu près de ma nourriture? Ah, je me rends, je suis désolé. J'étais affamé. Est-ce que tu as mangé mes cubes de bacon? Ceux qui m'avaient été donnés par la reine? Des cubes de bacon? Tu as toute une forêt avec plein de délicieuses herbes. Tu n'en manges pas? Non, tu aimes l'herbe? C'est tout à ton honneur. Honnêtement, je préférais que tu manges l'herbe plutôt que cette mousse démoniaque. Je ne lui fais pas confiance. Oh mince, peut-être que j'ai déjà mangé un peu de l'herbe. Quoi? Tu ne croirais pas ce que ma tante mangeait. Je connaissais un chien qui mangeait des os. Dégoûtant. Des os? Tu as des os? Quoi, tu aimerais manger des os? Oh, s'il te plaît, donne-moi des os. Où sont les os? D'accord. Tu veux me montrer le chemin? Tu veux que je te montre le chemin? Des os, des os, des os. Donnez-moi tous les os. Des os, des os, des os. J'adore manger des os. Des os, des os, des os. Les délicieux os. J'aime manger tous les os. Suivez le cerf. Oui. Des os. Des os, pas des os. Oh yes, les os, putain. Tout à l'heure on est passé devant comme des bouffons. Mon ami. Ça va, quoi. Mon ami, s'il te plaît, ne mange pas mes os. Ah, un fantôme. Yes. Ne sois pas effrayé. Les fantômes ne peuvent pas te faire de mal. Hello mon ami, je suis champion. Quand j'ai de mon temps, on m'appelait le roi lézard tyrannique. Oh un roi,
C'est un honneur de vous rencontrer, Majesté. Est-ce que tu es un de ces anciens lasers? un de ces anciens lézards que mon sensei, dont mon sensei m'a parlé? En effet. Quoi? Ouais. Nous avons appris, nous apprenions les voies du guerrier aux autres animaux, y compris à tes ancêtres les loups. Ah, c'est eux qui apprenaient à mes ancêtres comment se battre. Je t'en dois une. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi? Laser. plusieurs de mes os ont été bougés depuis ma mort. Peux-tu les sentir et les ramener? Ce sera fait, Votre Majesté. J'attends ton retour. Mais du coup, je vais pas manger les os. Je voulais manger, moi. Oh, fais chier. Ah, il y a des os là. X pour déterrer les os. Oh, je peux le sentir, il est tellement gros, si délicieux. Non. Le roi doit récupérer ses os. Je ne dois pas les manger. Il y a une tension dramatique. Imaginez s'il les mange. Tiens, tiens, si c'est pas ce sage champion, je sais pas. Dégage, enculé d'écureuil. Ou quoi? Tu vas m'aboyer dessus encore? Oui, si tu me pousses à le faire. Je ne te pousse à rien faire. Tu es juste une brute. Et toi, tu es une petite. Pute. C'est pas la traduction exacte. Tellement honteux de ton propre roi que tu viens me tourmenter. Pourquoi? Squirrel, bigonne! C'était intéressant. X. X. Oh, je suis si affamé, mais je ne dois pas manger les os. Ah non, hein. Faut pas manger les os. Attention. Il est vachement bien le jeu. Oh, je suis tellement affamé. Juste une petite bouchée. Non, je ne peux pas. Oh, c'est vraiment le meilleur champion. C'est où? Ils sont où les derniers os? Oh, là-bas. Spotted. Sens que je vais les manger à la fin. Et que le T-Rex, il va m'en vouloir à mort. Ou alors c'est un jeu sur le pouvoir de l'amitié. Façon, je suis sûr que ces os sont pas si délicieux que ça. Yes! Ok, je peux retourner au roi pour lui donner ses os. Appuie sur V pour la vision psychédélique. Non, ça fait rien V. Tenez, Votre Majesté, tous les os délicieux, j'en ai mangé aucun. Super travail, champion. Tu fais un très bon servant. Ah, je n'en peux plus. Pendant des millions d'années, j'ai attendu en regardant les petits humains. Bientôt, je réclamerai mon ancien corps et le règne de Skeletus Rex commencera. Oui. Combien de temps? Oh là, je crois que je fais une connerie. Combien de temps ai-je attendu de sentir le sol trembler une fois de plus, d'entendre les cris des hommes et des bêtes? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Des os! Des os! Donnez-moi tous les os délicieux, j'adore les os! Non, arrête! Je suis le roi tyran lézard. Je régnerai sur le monde. Et je conquérirai les humains. Comme je l'ai fait avec les animaux et les monstres. Ne mange pas mes os! Ouais, les os! J'ai faim, je mange les os! Je vous avais dit qu'il allait manger les os, alors qu'il était en train de parler et de faire son délire d'ego là. Plusieurs os plus tard. Champion est plus fort. Tu n'as plus besoin d'aboyer. Pour que le monde reste éclairé pendant
Les batailles avec des boss. C'était merveilleux. Muffins, où es-tu, mauvais chien? Oh, je devrais retourner à la maison. C'est extraordinaire, hein. Je suis. Je... Oh, Nian! J'ai trop de choses à te raconter. Eh, hey, champion, t'étais où? Je suis désolé, j'ai trouvé plein d'eau et j'ai été distrait. Tu as vraiment fait peur à la reine quand tu n'es pas venu pour le déjeuner. Je suis vraiment désolé. Ouais, eh bien, reviens à la maison. Elle ne peut pas rester énervée contre toi si tu fais les grands yeux tristes cette nuit-là. Excuse-moi, champion. La balle! Rends-toi à ma reine ou je t'attraperai dans ma bouche et je t'amènerai à elle. Très bien. Je me rends. Excellent. J'ai capturé la balle rouge. Rouge? Désolé de te décevoir, mais je suis fuchsia. Oh, désolé, je suis daltonien. Heureux de te rencontrer, fuchsia. C'est pas grave, c'est un plaisir de te rencontrer. C'est bizarre. Tu as la voix de ma reine. Tu sens ma reine. C'est du parfum. Tu aimes? Ma reine sait comment bien sentir. C'est l'odeur de la beauté. Non, et non l'odeur rance des produits chimiques. Si tu aimes tellement mon odeur, je ferai attention à la porter tout le temps. À la... Quoi? Oh. Tu l'aimes vraiment et tu ne dis pas ça parce que la reine la porte, le porte ce parfum, non? Oh, je suis un peu fatigué. Je peux retourner dormir? Pas de souci. J'espère te parler plus tard, le matin suivant. Bon matin, champion. Bon matin, Nyon. Ça va? J'ai entendu que ta chanson s'était arrêtée la nuit dernière. Juste une boule de poils. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec les monstres. Aucun. Splendide. Merci d'avoir surveillé. Oh, de rien. Oh, j'ai trouvé une balle. Fuchsia. Je suis heureux pour toi, mais je vais l'admettre. Je n'ai jamais compris ta balle pour les ta fascination pour les balles. C'est un devoir spécial de la reine. Elle me commande spécifiquement d'aller chercher la balle quand la balle lui échappe. Les voix de la reine sont vraiment sages et mystérieuses. Comme quand elle nous a mis des colliers avec des petites clochettes. S'il te plaît, ne parle pas des horreurs, mon cul. Si tu veux te reposer, je peux te remplacer. Merci, champion. Je suis plutôt fatigué. Bonne journée. Dors bien. Putain. C'est insane. Je suis fasciné là. Je sais pas combien de temps le jeu dure. Parce que je sais pas combien de temps vous allez vouloir regarder ce jeu, quoi. On n'est pas obligé de le finir, mais. Wouah! Boum! Double damage! Boum! Bam! Bam! Double damage! Boum! Attends, je joue bien là. Ça clutch. Oh la balle! Ton ami n'a pas la vaste puissance que tu possèdes. Elle a la sagesse et le savoir. Elle vient d'une longue lignée de félins. Tu devrais être son maître et non son ami. Le savoir et la sagesse sont inutiles sans le pouvoir. Putain, la balle, elle est complètement tyrannique. Je pense que c'est un boss. Je devrais être son servant. Puisque le pouvoir sans la sagesse n'est que la tyrannie. Putain. Il parle sur des débats philosophiques, tout ça. Heureusement, elle et moi sommes meilleurs amis. C'est la reine qui possède toute la sagesse pour te guider, n'est-ce pas? Elle me guide seulement lorsque c'est nécessaire. Elle ne me tient pas la patte dans tous les aspects de la vie. Si tu le dis. Tout le monde est différent, mais ensemble, nous formons un tout. Désolé, mais d'autres monstres arrivent. Je pense que la balle, c'est vraiment une saloperie.
J'en suis quasiment sûr. Je pense que la balle, elle est... ça va être l'antagoniste principal. Parce qu'on la cherche depuis le début du jeu. Et je pense qu'elle va nous mettre cher, genre elle est trop forte. Monster Bigone. Alors est-ce qu'il en reste? Des monstres. Oh! C'est quoi ça? Wow! Monster Bigone, c'est bon. C'est tout! Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais pas ce que je dois faire. Champion! J'espère que tu passes une bonne journée. Salut Niblish. J'ai capturé la balle. Donc tout va bien. Super. Donc tu ne devras plus t'inquiéter de récupérer la balle de Basura. J'espère que non. On verra. J'ai parlé aux autres animaux. Est-ce que tu as rencontré Panto, le raton laveur? Non. À quoi il ressemble? C'est un bon animal, mais... Je t'écoute. Mais depuis qu'il a mangé des ordures, il est assez délirant. Ah, il pense que notre monde est sur l'un des ordinateurs que les humains utilisent. Oh putain, ça semble peu probable. Je sais, j'en parle parce que pour que je ne l'insulte pas accidentellement. Je comprends. Putain, mais ce jeu est génial. Où est-ce que je peux le rencontrer? Il est au fond des bois. Puisque tu ne peux pas aller loin. Dans le bois, je lui demanderai de venir à toi. Merci Neblish. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une souris et que tout le monde pense que tu es inutile. Oh là là, c'est triste. Mon ami, mes ancêtres étaient les guerriers. Ils pouvaient tuer les monstres, mais le mieux que je puisse faire est aboyer et les éloigner. Je sais ce que ça fait de se sentir inutile. Oh, c'est triste. C'est pourquoi nous devons travailler tous ensemble. Nous avons tous des compétences différentes. Comme dit mon sensei, une dent n'est pas assez bonne pour quoi que ce soit. Yes. Je vais chercher Panto. Merci. De rien. Ah, yes. On va chercher Panto là. Monster Bigone, nique ta mère. Plus de sphères. Nickel. Ça va faire mal. Je deviens très puissant. Hein. Putain, je suis en train de devenir vraiment puissant, je pense. Je sais pas comment je vais utiliser toute cette puissance en fait. Panto! Hey, champion, t'as un moment? Oh non, toi t'es chiant, toi. Bien sûr. Est-ce qu'un monstre pourrait être bon? Un bon monstre? Jamais! Tu es sûr? Parce que... Non, jamais. Sinon, les guerriers n'auraient pas à les détruire. Certains mentent et essaient de te convaincre qu'ils sont bons, mais ce sont des monstres. Ne les crois pas. Ah d'accord. Désolé de t'avoir dérangé, champion. Pas de soucis. Bonne journée. Oh là là, c'est triste. Il s'était fait un copain. Il avait dû se faire un copain et puis voilà. Rien du tout. Bon alors, Panto. Ah non, il y a encore quelques interactions avec les monstres. Vraiment un jeu extraordinaire. Je pense que... Vous savez que celui-là, je pense que vous verrez jamais quelqu'un y jouer. Enfin, en tout cas, si je l'avais pas trouvé, vous auriez jamais trouvé parce que je l'ai trouvé sur un site qui répertorie en fait toutes les dernières sorties Steam, mais absolument tout en fait. Genre c'était un jeu qui était sorti quand je l'ai trouvé il y a genre il y a 2 heures, c'était il y a 2 heures, et il n'y a aucune review Steam, il n'y en avait aucune en tout cas à ce moment-là. C'est un jeu qui est vraiment passé inaperçu, comme plein sur Steam en fait. Et je suis très fier d'avoir trouvé ce genre de jeu. C'est des petites pépites comme ça qui passent pas à l'E3, voilà c'est ça. Ah, le raton laveur. Salut, Protag, quoi? Champion, mon ami. Je m'appelle Champion. Ah oui, Champion, je suis Panto. Enchanté. Je te fais une offre.
Tu connais mes croyances étranges. Oui, je les respecte. Si tu me crois, il y a beaucoup d'humains qui veulent te voir réussir. Même un qui s'est tordu le poignet en essayant de t'aider, quoi. C'est gentil à toi de dire ça. Et comme tu te moques pas de moi, je vais t'aider. Merci mon ami. Il y a beaucoup de monstres. Je ne peux pas t'aider avec les monstres, mais quand tu seras prêt, je t'aiderai à aller à Basura pour retrouver la balle. Oh, j'ai déjà trouvé une balle. Très bien. L'offre tient toujours. Bah à mon avis, quand la méchante balle, on va la battre, on pourra aller chercher la vraie balle à Basura. Ok. Bon courage pour ta bataille avec les monstres et il viendra s'il change d'avis. Excellent. Très bien. Alors toi là. Non, je vais sûrement niquer des monstres là du coup. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vous voulez que je vous raconte l'histoire? En gros, je protège la reine. En fait, dans la maison, il y a la reine. Et elle est sur son ordinateur. Et il faut que je la protège des monstres. En fait, il y a des monstres. Les monstres, c'est les particules là. En fait, quand ils viennent, faut que je leur aboie dessus, comme ça, ils fuient. Et j'ai des amis dans la forêt et autour de la maison. J'ai des amis. Il y a un chat qui s'appelle Nyan. Il y a Monsieur Oreille qui est un lapin. Mais au début, c'était un boss. Monsieur Lapin, c'était un monstre qui était dissimulé. Mais maintenant, il est gentil. Il a plus de monstre en lui. Et j'avais perdu ma balle rouge. Mais à la place, j'ai trouvé une balle fuchsia. Mais la balle fuchsia, elle a l'air un peu tyrannique. Comme il y a un Tyrannosaur Rex. Qu'on avait trouvé dans la forêt aussi, un fantôme de tyrannosaure qui on lui a redonné ses os, du coup il a failli redevenir tyrannique aussi, mais finalement on a mangé les os, du coup il est mort. Et des fois il y a le fantôme de mon sensei, parce que je viens d'une lignée de loups guerriers, des fois du coup il y a mon sensei qui vient m'aider, et je suis aussi ami avec une souris et un raton laveur. Est-ce que tu peux croire ce stupide raton laveur? Qui pense que c'est un... La balle, elle est méchante. La nouvelle balle, elle est méchante. Et mon ancienne balle, apparemment, elle est à Basura parce que les éboueurs l'ont prise. Les humains ne croient pas aux monstres. Il y a bien donc des croyances beaucoup plus étranges que celles du raton laveur. Vraiment. Peut-être que tu devrais laisser certains d'entre eux atteindre la reine. Je suis sûr qu'elle aimerait... Je pense qu'elle t'aimerait plus si elle savait de quoi tu la protèges. Jamais! Ne fais pas de blague là-dessus. Je suis désolé, champion. Je te pardonne. Je trouverai un moyen de me racheter. Plus de monstres arrivent. Je dois te laisser. Eh, la balle, c'est forcément un boss, hein, par contre. Il va falloir l'enculer. C'est une belle saloperie, hein. Il faut chasser tous les monstres. Allez hop, Monster Bigone. A plus. Champion, est-ce que tu as entendu la terrible nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a? La reine pense à ramener les cloches. Les colliers de cloches. Oh non, ce bruit incessant qui me suit partout. Si c'est le désir de la reine, c'est sûrement pour le mieux. Peut-être que si je reste parfaitement immobile, je peux me cacher. Les cloches ne me trouveront pas sous... Arrête de... Sous le canapé. Ok, donc Nyan ne peut plus m'aider, je pense. C'est caché. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle n'aime vraiment pas ses cloches, hein. Ah, j'aime pas trop non plus. Est-ce que tu veux que je parle à ta reine et pour la convaincre de ne pas vous faire porter ses colliers? Tu pourrais faire ça? C'est un piège, champion, c'est un piège! Si je ne te vois pas cette nuit, je promets de revenir demain. C'est un piège! C'est un piège! C'est forcément un piège! Elle va aller chercher la reine. Elle m'a out... Oh là là. Elle m'a outplayed. J'ai rien vu. Je pense que le jeu est bientôt fini. Je pense que quand on va chercher la balle à Basura, c'est fini. En tout cas, il est bien le jeu. J'ai perdu 700 viewers sur ce jeu, mais franchement, c'est worse. Franchement, je regrette rien.
Les gens ils disent ouais, d'accord, ok. Moi j'ai pas aimé l'histoire de champion. Vous êtes tarés ou quoi? Merde, je vois plus où est ma souris. Oh, au boss, ça faudra faire attention. Écureuil, pourquoi es-tu de retour? Il est où l'écureuil de merde? Attendez, faut que je trouve l'écureuil. Ce salopard. Vas-y, aidez-moi à trouver l'écureuil comme l'autre fois là. Je peux pas appuyer sur H. H, ça fait rien là. Ah non, il est là. Quelque part par là, apparemment. Tu n'as pas remarqué que les certains monstres sentent exactement comme le parfum de la reine? Tu oses insulter ma reine, dire qu'elle sent comme un monstre? Comment oses-tu? Écoute, champion. Squirrel Bigone. Les interactions avec l'écureuil sont vraiment les plus fascinantes dans ce jeu. Hein. C'est vraiment les plus utiles, je pense. Là, on fait monter la tension dramatique. On sent qu'il va se passer un truc énorme. Mais on sait pas encore quoi. Moi, je pense que c'est vraiment un duel avec la babale. Parce qu'on va savoir qu'elle a piégé la reine. Genre, il y a Nian qui va venir nous prévenir. Et après, je vais changer de jeu. Je pense qu'il reste un petit quart d'heure sur ce jeu ou un truc comme ça. Après, je vais changer. J'ai un jeu d'horreur. Monster Bigone. Et maintenant, normalement. Ouais. Sensei, je dois parler avec vous. Ah yes. Bonjour, champion. Sensei, est-ce que c'est mal de faire changer d'avis à ma reine? Je ne pense pas que les humains soient infaillibles. Mais j'ai moins d'expérience que toi. Je peux seulement te parler des loups. J'aimerais que tu m'en parles. Oh non. En temps de paix, la discussion devrait être acceptée. Mais quand le leader fait une décision, prend une décision, c'est final. Je vois. Un leader doit être sage autant que puissant. Et ma queen et ma reine est très sage. J'accepte ton jugement. Merci Sensei. Je suis toujours à tes côtés. Waouh, que d'émotion. Et là, là, champion, il vient de se dire bon d'accord, je peux peut-être lui faire changer d'avis par rapport aux cloches. Oh, ça fait un boost. Regardez. Pouf. 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 Ah non, j'essaye de faire un boost. Oh, j'en arrive plus. Hop, Monster Bigone, à plus. Hop. Monster Bigone. Je suis devenu très bon sur les fights. Oh là, il s'approche de la maison là quand même. Attention. La balle. J'ai laissé un message sur l'ordinateur de ta reine. Elle n'essaiera pas de te faire porter le collier. Merci Fuchsia. Tu as entendu parler d'Acedia? Son nom semble familier. Oh. Est-ce que c'est un boss? Oh, il est bien plus fort qu'un mini-boss. C'est le baron. C'est le roi des monstres. S'il vient près de la reine, je lui avouerai dessus. Tu es beaucoup plus puissant que ça. Tu pourrais effrayer tous les monstres et tous les dominer. Et être le baron toi-même. Putain, pourquoi je voudrais faire ça? Tu peux faire ce que tu veux aux monstres. Si tu ne veux pas qu'ils fassent du mal aux gens, ils ne le feront pas. Et si tu détestes quelqu'un, ils pourront l'attaquer. Quelle vile tentation est-ce? Nian, qu'est-ce qu'il y a? Je savais que quelque chose n'allait pas. Champion, ce n'est pas une balle, c'est Luxuria, l'un des mini-boss. Je le suis, et vous allez tous les deux me servir. Si vous ne le faites pas, un simple email de moi, il se bague des emails, et votre reine vous mettra un collier de cloches. De 100 cloches. Non, espèce de fiante. Il y a un problème avec ça, le monstre. Tu ne peux rien lui dire si je te bannis avant. Mais qui est le moi réel?
boss fight. Waouh! Quelle est la vraie balle? Waouh, là c'est chaud par contre. Mais comment on sait? Comment on va savoir quelle est la vraie balle? Nyan, aide-moi! Oh, il me regarde. Comment je fais? Ah, je peux appuyer sur les balles d'ici. Je peux appuyer d'ici? C'est génial! Mais comment je la trouve, moi? Ah, trouvé. Champion est devenu plus fort. Les sphères fuchsia font un triple dommage. Champion, je dois te demander. Oui, Nyan. Tu sais que les balles ne peuvent pas parler. Les balles ne peuvent pas parler? Comment elle jure fidélité à la reine? Je ne suis pas sûr. Donc je suppose qu'il faut retourner chercher la balle rouge. Sois prudent. Bon bah écoutez les enfants, je crois que je vais arrêter là. On reprendra en fin de soirée je pense. On va laisser cette histoire en suspens. Mais je vais enchaîner sur un autre jeu tout de suite là. On va bouger. Mais je suis très content. Franchement, aussi bien que le premier jeu. Dans un registre différent, mais je trouvais ça extraordinaire. Vraiment. C'était vraiment... c'était le meilleur combat. Ah non mais c'était extrême. Non. Mais non mais vous me dites tous de continuer mais... Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment que je continue? Bon, si le chat me demande comme ça, je ne peux que continuer. Eh hey, champion, tu es prêt à aller à Basura? Eh, hey, comment tu savais? Oui. Sinmanager.lolsin Basura. D'accord. Je sais pas si c'était volontaire. Bon bah écoutez, on va à Basura. Oh putain, oui, non, ça vaut le coup. Ok, ça vaut vraiment le coup. Bienvenue à Basura, la dimension des ordures. Waouh, comment tu as fait ça? Pense au sort magique. Avaricia. Ça ressemble à un nom de monstre. Elle est un monstre. Mais elle ne va plus dans le royaume des humains. Elle règne sur ce royaume et tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment un endroit effrayant et qui pue. Effrayant? C'est très beau. Il y a toutes les ordures qu'on... Toutes les ordures. Je suis content que tu aimes. Moi, cependant, je serais heureux de partir dès que je trouve la balle. Regarde si tu peux sentir la balle. Oh, je la sens. Je la sens. Juste à foncer, de toute façon, j'ai un wallack. Elle est par là! Ils ont vraiment fait un royaume des ordures. Ici, la balle rouge! Te voici! Rends-toi à ma reine, ou je t'attraperai dans ma bouche et je t'amènerai à elle. Eh bien, qu'avons-nous là? Eh, bonjour, Avaricia. Mon ami cherchait sa balle rouge. Est-ce que tu pourrais faire un échange? Non. Si quelqu'un la veut, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Mais elle n'a pas de valeur, c'est juste une vieille balle mâchée. Rends-toi à la balle rouge, ou je t'aboierai dessus. Oh, quelle manière! Tu es dans mon domaine, chien. Chien. Montre-moi du respect. Champion. Monster Bigone! Monster Bigone! C'est maintenant. Il me faut des balles fuchsia. Boum! x3. Hop, x3. 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 Champion est devenu plus fort. Plus d'empreintes apparaîtront quand il court. Tant de puissance, mais pas assez pour me bannir de mon propre royaume. What? Pourquoi je ne peux pas te bannir? Je suis relié à ce royaume. Peut-être qu'un guerrier pourrait me détruire, mais tu n'es clairement pas un guerrier. Je ne partirai pas avant que tu me donnes la balle rouge. Alors prépare-toi à attendre longtemps. Tu veux vraiment m'avoir comme invité pour l'éternité? Je mâcherai tes affaires et je déchirerai le tapis. Ma reine m'a appris tout ce que les propriétaires ne veulent pas. Et je saurai comment te faire souffrir. Et on peut faire un échange, s'il vous plaît.
Je suppose qu'on pourrait faire un échange. Rapportez-moi une lame et je vous laisserai partir avec la balle rouge. L'arme d'un guerrier donnée à un monstre? Jamais. Champion, ne me fais pas choisir entre deux amis. Très bien, fais-nous partir. On n'a pas pris la balle? Oh putain. Merci pour les subs. Merci XTCup, Virus Piras, Vitakun, Nuxage, Rosa, Zera, Death Knight, NSKamo, Simondre, Jaysam, MTGL, Rebinors, Dufia, Arkatoma, Cover un sub à Chou-Tête, Suceur de Choucroute, Gagi, 79, Axelex, merci Brian Dev aussi, merci pour tous les subs. Plus de 100 subs déjà! Et j'ai même pas vu, merci beaucoup. Merci. Alors c'est parti. C'était pas ta quête, champion. Tu ne pouvais rien faire pour avoir la balle rouge. Qu'est-ce que tu en sais? Et comment tu peux être ami avec un monstre? Tous les monstres ne sont pas nos ennemis, champion. Mensonge! Il voulait une lame. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est la volonté et le pouvoir d'un guerrier. Et tu veux que j'en trouve une et que je la donne à un monstre? Ce n'est pas ce que je voulais dire, champion. Va-t'en! Je reviendrai quand tu voudras parler avec moi. Bon bah c'est pas la fin du jeu. Ah si vous voulez que je continue, moi je continue. Hein. Moi je m'amuse vraiment, je suis très content de jouer à ce jeu. Après c'est vous. Hein. Moi je suis très bien, je trouve ça très très drôle. Où sont les monstres? Moi je veux savoir la fin, vous voyez. C'est ça qui me... Parce que champion il a toujours pas sa balle quoi. Moi je trouve ça super triste en fait. Boum, Monster Bigon x3. En tout cas le jeu est insane, j'ai jamais vu un truc comme ça. Où est-ce qu'il y a des monstres? Pas par là. Ah, là-bas. Merci Evany Scott pour les 18 mois de sub. Tu comprends rien? Mais j'arrête pas d'expliquer le scénario, il est trop bien. Il faut qu'on protège l'arène des monstres et qu'on trouve notre balle. Tu es revenu, stupide écureuil. Tu n'as pas appris ta leçon. Vas-y, mais l'écureuil, à chaque fois qu'il vient, c'est inutile. Panto m'a dit que tu cherchais la balle rouge. Tu crois vraiment que j'ai envie de te parler, l'écureuil? C'est ça? Il est trop... Il est infâme avec tout le monde, le chien, là, champion. C'est la reine qui l'a jeté. Assez! Oh putain! Assez! T'aboyer dessus n'est pas assez! Alors regarde ça! Non! Non! À l'aide! Ouah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment plus puissant que je ne le pense! Oui, je crois que je le suis. Je suis fort, assez fort, pour effrayer tous ces monstres avec un seul aboiement. Wow, on est en mode Super Saiyan! On est en mode Super Champion! C'est insane! Je peux faire peur à tout le monde! Toi, monstre de merde! Monster Bigon avec un seul aboiement! Boum! Super Saiyan! Monster Bigon! Encore un! Regardez-moi, Sensei! Un seul aboiement, je suis devenu un vrai guerrier. Donnez-moi une lame pour battre le dragon. Tiens, un Monster Bigon! Je suis prêt à me présenter au dragon. Sensei, donnez-moi votre arme. Alors normalement c'est bon, j'ai tué tous les monstres. Bra, 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 bra. Oh! Salut champion! Bonjour. Regarde comme les monstres sont terrifiés par moi, tu es vraiment imposant. Est-ce que tu peux parler avec moi? Oui.
Je veux te dire une histoire. Oh non. Tu te rappelles comment on s'est rencontré la première fois? Tu étais possédé par un monstre. Je détestais le nom Monsieur Oreille. Je voulais que mes yeux soient puissants. Comme ça, on ne m'aurait plus appelé Monsieur Oreille. Tu aurais dû forcer tout le monde à t'appeler Mister... Monsieur... Monsieur Yeux. Yeux. Eh bien, les bunnies... Les bunnies. Putain, j'arrive plus à traduire. Du coup, je lis... Les bunnies, les lapins ne sont pas aussi puissants que les chiens. C'est vrai. Quand Nvidia m'a possédé, il m'a montré le vrai pouvoir de mes yeux. Je peux voir dans le cœur des gens, les animaux, les gens et même les monstres. Impressionnant. Mais moins que ma puissance. Oui, mais le monstre ne m'a pas donné cette force. Je l'avais toujours eu en moi. Les monstres te mentent. Ils te font penser ce qu'ils veulent. Pour que tu ne te battes pas avec eux. Et quand tu commences à sentir quelque chose, c'est vraiment dur d'arrêter. Comme la colère. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ah, le lapin, il veut m'aider. Toute la puissance que tu as a toujours été en toi, champion. Tu es en train de te faire piéger par un monstre qui te possède. Aucun monstre ne me possède. Je suis désolé. Comment oses-tu, monsieur Zieux Ruby? Champion, arrête. Tu oses me défier? Souris. Non, je te supplie, arrête. Et si je ne m'arrête pas, alors tu ferais mieux de me bannir. Je veux être avec mon ami. Mais je... Ne les écoute pas, champion. Tu es plus fort que tous. Que eux tous. Tu devrais les bannir, ces distractions. Et te montrer comme ça à la reine. Mais ce n'est pas ce que ma reine voudrait. Je suis supposé être un bon chien. Je peux t'aider à récupérer la balle rouge. La musique s'arrête d'un coup. Mais tu n'as pas dit que je n'avais pas besoin d'aide? Pourquoi j'aurais besoin de ton aide? Oh! Boum! J'ai pas besoin de toi. Je suis champion. Champion est plus fort. Tu n'as plus à cliquer pour bannir les monstres rouges. Je t'en dois une, Niblish. Non, je t'en devais déjà une. S'il y a quoi que ce soit, demande-moi. Eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Ce ne sera pas difficile. Un de mes amis est en danger. Mais ça s'arrête jamais! Quelques minutes plus tard. Déjà, tout le monde, je suis vraiment désolé. Champion, tu m'as aidé quand je t'ai possédé. Nous ne sommes pas énervés, mais nous avons besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire? Un de nos amis a été banni au virus quarantine. Quarantaine. Son nom est Cheaters. Cheaters? Mais c'est cet écureuil! On l'a envoyé chier, l'écureuil. Cheaters a un bon cœur. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous entendez pas. Il est vraiment un de tes bons amis? Oui, à nous tous. S'il te plaît, champion. Eh bien, c'est ma faute s'il y est. Envoyez-moi. Merci, champion. Merci beaucoup. Yes! On va aller aider Cheaters, même si c'est pas notre ami. Oh putain. Oh, et moi qui croyais que Basura était creepy. Bon, et bonjour, champion. Qui êtes-vous? Comment vous connaissez mon nom? Nous savons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de choses. Nous voulons t'aider, champion. Nous rebâtirons ce monde à ton image. Nous ferons de ta reine une impératrice. Libère-nous et nous serons tes esclaves. Oh, vous êtes encore pire que les monstres. Tu veux un monde sans monstres? Nous te le donnerons. Non, bigone. Je ne vous crois pas. Nous te montrerons. Aboie sur les virus. Virus, bigone.
Virus bigode. Virus bigone. Vous dites tous virus bigone quand j'ai un virus. Virus bigone. Oula. Allez. Virus bigone. Allez hop, le même traitement pour tout le monde. On va aider Cheaters. Virus bigone. Putain, c'est un labyrinthe, ils ont vraiment mis un labyrinthe. Fils de pute. Boum, virus bigone. J'ai plus d'énergie. Je me sens faible. Virus bigone. Virus bigone, tu ne peux pas me tromper. Quoi? Non, champion ne viendrait jamais pour moi. Hein, pourquoi pas? Parce que c'est une brute et qui sert une reine tyrannique. Et un de ses aguets a torturé mon pauvre ami Niblish. Mais Nian a arrêté de chatouiller Niblish. Comment le sais-tu? Même le vicieux Nian ne parlerait jamais au virus. Je veux vraiment t'aider. Donc arrête. Quoi? Non. Ça, tu rends la tâche difficile. Mais j'aimerais que tu arrêtes d'insulter ma reine. Champion, vraiment? Ramène-nous, Panto. Boum. Allez hop, plus de virus. Alors j'ai aucune idée de pourquoi il y avait un virus. Mais apparemment on avait donné le sida à l'écureuil ou à quelque chose comme ça. Hein. On avait vraiment donné un gros virus. Une grosse grippe. Tu l'as fait. Merci. Champion, tu es vraiment venu pour moi. On ne s'est jamais entendu, Cheaters. Mais mes amis disent que tu es gentil. L'un des meilleurs. Mais tu m'as banni. Il était possédé par un monstre et je suis désolé. Et il est venu t'aider. Me pardonneras-tu? Je ne sais pas, j'ai besoin de temps. Je comprends. Content de que tu sois de retour. Merci de m'avoir fait faire tout ça. Je devrais aller checker la maison. Salut. Je pense que le sensei va être fier de moi et va me donner sa blade. En vrai, je pense que c'est ça qui va se passer. Bah je suis autour de la maison là. Ah putain. Ah les salopes. Monster bigone, boum, les rouges. Même plus besoin de faire de cercle. Ça part direct. Hop là, à plus. Donnez-moi la blade. Putain, je suis vraiment devenu vraiment puissant. J'espère que vous êtes fiers de moi. Il y a vraiment une impression de progression dans le jeu. Quand champion devient plus fort, ça devient insane en fait. Le gameplay devient... Wow! Plus de sphères. Oh non, mais là, c'est devenu vraiment insane. Salut champion. Salut. Tu sais que je peux voir dans les cœurs, oui. J'ai trouvé un bon monstre. Ça lui brise le cœur de voir que les monstres se battent. Laisse-moi lui parler. Je ne lui crierai pas dessus. Je ne lui aboierai pas dessus. C'est un plaisir de te rencontrer, champion. J'ai été piégé avant, monstre. Je ne serai pas piégé de nouveau. Tu as ma parole. Je n'essaierai pas de posséder qui que ce soit sans ta permission ou celle de ton sensei. Comment se connais-tu, mon sensei? Nous étions, eh bien je ne dirais pas des amis, mais des connaissances. Wow! Breaking news! Oh putain! C'est-à-dire que les monstres étaient amis, certains monstres étaient quand même amis avec les loups, les guerriers. Sensei n'a jamais eu de vrais amis, à part ses descendants. Et sa meute. Les animaux sont mes amis. Mais les monstres sont mes amis aussi. Je n'aime pas les voir se battre. Je parlerai à Sensei
J'en parlerai à Sensei quand j'en aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Je vais faire attention que la maison soit en sécurité d'abord. Ok. Yes, on va devenir amis avec un monstre qui va nous aider à combattre un autre monstre, peut-être. Alright. Le scénario devient insane. Bleu, c'est un rare. Ah bah, bleu, c'est vraiment insane. Les verts, ils sont assez rares. Ils sont assez puissants. Putain, mais vous vous rendez compte qu'il a quand même... Le développeur n'a pas modélisé les monstres. C'est ouf, en vrai. C'est vraiment un fumiste, quoi. Genre, c'est... Le mec n'en a rien à foutre. Il a mis des particules. Ça, il a dû trouver cet effet. Il a dit, oh ouais, ça ressemble à une odeur, ça. Oh ouais. C'est vraiment un connard. Putain. Je l'ai payé 4€, ce jeu. Et je l'ai trouvé sur un site internet qui répertoriait des jeux Steam qui venaient de sortir. Et il n'avait aucune review. Et j'ai vu que c'était une histoire d'un chien qui voulait protéger sa reine. Et du coup, j'ai été convaincu. Champion, j'ai des bonnes nouvelles. Tu es possédé par un monstre. Quoi? Non. Oh, il est possédé, c'est vrai. Nous sommes meilleurs amis. Apparemment, un jour, je l'ai poursuivi. Mais depuis, il m'a pardonné. Tu es juste un chien. Tu penses probablement que les cauchemars sont juste des mauvais rêves, Nian. Je suis sûr que la reine trouvera une utilité pour toi. Ramasser des balles ou quoi que ce soit que tu fais. T'inquiète pas. Je dois y aller, Nian. Je te parlerai plus tard. Je serai... Putain, mais il est possédé, ce con. Et en vrai, c'est long. Je crois que je vais arrêter. Je crois que je vais finir le jeu plus tard. Je pensais pas que ce serait aussi long. Le jeu est vraiment, riche, en fait. C'est dur à dire, mais le jeu a vraiment beaucoup de contenu, en fait. Franchement, il y a un contenu de dingue. Il y a une longue histoire et elle est riche. Genre, il y a des rebondissements, en fait, et plein de choses. Moi, j'ai le flair pour trouver les bons jeux, évidemment. Ça, on l'a toujours su. Après, on va faire un jeu d'horreur. Un des deux. Soit celui qui ressemble à un jeu sur PS1, soit celui en pixel. J'irai plutôt vers celui en pixel, je pense. Parce qu'il a l'air vraiment bien. Hop là, bigone. Ok, il va regrouper tout le monde. J'ai besoin de votre aide. Nian est possédée. Oh non! C'est-à-dire qu'elle va, elle va me chatouiller de nouveau. Putain, je sais pas ce que c'est cette histoire de chatouillis, mais c'est vraiment de la merde. On va t'aider. Comment elle est? Arrogante. Comme si elle était meilleure que tout le monde. Ha, alors on doit la convaincre qu'elle ne l'est pas. Comment convaincre un chat qu'il n'est pas le centre de l'univers? Je ne sais pas. Plus de monstres arrivent. Je dois aller m'occuper d'eux. Oh putain. Quelle bande d'enculés, il me spam de monstres pour éloigner les séquences de dialogue. Quelle bande d'enfoirés. Allez hop, behold. Bigone. Bigone Taras. Bigonnez-vous là. Où sont les monstres? Là. Merci Michel Kick pour ton sub. Merci Nailik 60. Je suis plus fort. Merci Link pour ce live. Hier j'ai eu mon anniversaire et tu l'as pas fait et on l'a pas fêté, donc tu rattrapes ça avec ce live. Mais... mille merci. Et bah bon anniversaire à toi en retard. Et merci beaucoup. Encore? Non. Je pense que je dois avoir une cutscene là. Normalement. Je devrais avoir une cutscene là. Merci Eradel pour ton subprime et merci la Storman 15 pour tes 2 mois. Nice. Merci Pierre Mar. Et merci Asmael et Tonf et Larkoz et Elicia et Artenas, mais je sais plus si je l'ai dit. Et Urban Spirit. Merci pour les subs et désolé pour ceux que j'ai oubliés, c'est fort possible. Il y a eu beaucoup de subs aujourd'hui.
Et c'est pas fini, hein, c'est un long live. Donc si ce jeu-là vous a pas plu, peut-être que le prochain vous fera kiffer. Celui-là, j'essaie de le finir assez vite. Mais le problème, c'est que la balle rouge, c'est vraiment une quête incroyable pour l'avoir, quoi. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ah! Tu es vraiment ami avec eux, n'est-ce pas? Oui. Ruby Eyes insiste sur le fait que tu es un bon chien. Il aime le nouveau nom que tu lui as donné. Merci, Cheaters. Écoute, tu as l'air sympa. Peut-être qu'un jour nous deviendrons amis. Mais maintenant, je dois aider Nian. C'est ma meilleure amie et je lui dois beaucoup. Ok, de quoi tu as besoin? Comment convaincre un chat qu'il n'est pas la chose la plus importante de l'univers? Oh, c'est facile. Un jour, j'avais un chat qui montait un arbre pour m'avoir. Mais quand j'ai grimpé sur un autre arbre, elle ne pouvait pas descendre. C'était hilarant. C'est ce dont j'ai besoin. Merci. Ça veut dire que tu m'as pu m'aboyer dessus? Bien sûr que non. Ok. Ok, niquez-vous. Niquez-vous. C'est vraiment la partie la moins intéressante du jeu. Un petit peu dommage. Nian, j'aurais aimé avoir un grand combat avec elle assez rapidement. Je suis assez assez déçu. La tension dramatique est en train de redescendre. Il faut vite que j'aie un combat avec Nian. Putain, le monde s'assombrit, hein. Ça devient vraiment dark là, je pense. Un peu flippé. Où sont les monstres? Où sont les monstres? Je pense qu'il faut que j'attende que les animaux viennent. Ah! Sur quoi est-ce que tu es en train d'aboyer? Je t'ai dit que il n'y avait aucun monstre. Yann, tu pourrais m'aider à quelque chose? Je suppose. Je pense que la balle rouge, elle doit être sur le toit. Est-ce que tu pourrais sauter et aller voir pour moi? Encore cette stupide balle, s'il te plaît. Je ne peux pas sauter comme toi. D'accord, très bien. Boum! Lumière. Allez hop. Wow! Oh, ce saut! Je ne vois pas de balle ici, champion. Ok, descends. Oh, il ne peut pas descendre. Il peut pas appeler la police, appeler l'ambulance, appeler les pompiers. Pourquoi les pompiers? Ils ont une grande échelle, donc quelqu'un pourra m'aider. Oh, d'accord. Arrête, Nian. Tu es mieux que ces crétins. Hein? T'inquiète pas, Nian. Je ne laisserai rien t'arriver. Tiens, fils de pute! T'as possédé mon meilleur ami! Tu ne peux pas te cacher de moi. Fils de pute! T'aurais jamais dû t'attaquer à Nian. C'est tout ce que je voulais te rencontrer là. Te niquer ta race. Boum, 100%. 100% de réussite. Yes. Plus de sphères. Vertes et fuchsia. Champion, tu m'as piégé. Je sais, mais je devais le faire pour stopper le monstre. Je t'en remercie et je te pardonne. Tu es mon meilleur ami, Nian. Tu es spécial pour la reine et pour moi. Tu éloignes les monstres quand je dors. Et tu éloignes les monstres quand je dors. Je vais aller chercher l'attention de la reine. Quand elle va réaliser que tu es coincé, elle t'aidera à descendre. Merci. Hey, champion, salut, cheaters! Si tu éloignes les monstres. Ouais, les monstres puent. La prochaine fois que tu en vois, tu devrais dire. Quoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il est modélisé? Il a modélisé un monstre!
Crah, tu es le truc le plus puant de toutes les puanteurs de Puanville. C'est ok, c'est ce que l'écureuil m'avait dit de lui dire. Tu es l'une des choses les plus puantes que j'ai jamais senties. Et je sens régulièrement des culs de chien. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis le baron Acedia, le roi des monstres. Tu es leur leader? Je suppose qu'ils devaient sentir leur nez quand ils votaient pour eux, toi. Les pompiers étaient juste là. Peut-être qu'ils pourraient... On pourrait utiliser leur grande lance pour te donner une douche. Oh, ça clash de ouf! Chien insolent! Je suppose que tu n'es pas habitué à ce qu'on te parle comme ça. En fait, parler autour de toi... nécessite de respirer, ça doit pas être facile. Putain, comment il clash! Yo mama! Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne sens pas très bon. Et tu n'es peut-être pas assez intelligent pour comprendre. Assez! Tu as peut-être battu mes servants. Mais j'ai ramené une armée. Bon courage pour garder ta reine en sécurité. Monstre, attaquez! Vite! Et je finirai par toi. Oh, le boost! Attends, c'est insane. Non, j'avais pas continué, beware. J'attends parce qu'en fait, il y a des mises à jour. Il est en train de faire des mises à jour, le mec. Du coup, j'attends que le jeu avance un peu. Plus de sphères. Bah, allez, nickel. Na 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 na. Toi, t'es une merde. Boum. Non. C'est bon, j'ai fini. C'est insane ce jeu quand même. Est-ce que vous avez déjà vu un jeu comme ça? Non. Et c'est exactement ce que je voulais pour ce soir. Toi, j'ai fini là. Toi, arrête avec tes monstres à la con. T'en as mis combien? Putain, en plus je suis une telle puissance. Na na la 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 la. Bon, j'ai fait mon maximum. Oh putain, quel enfoiré. Le principe du jeu, c'est qu'en fait on est un chien qui aboie sur les monstres pour protéger la reine qui vit dans la maison là. Et on voulait aussi récupérer notre balle rouge. Et à un moment il y a une balle fuchsia qui est arrivée, mais ça, en fait c'était un monstre déguisé. Aussi à un moment il y avait un lapin, mais c'était aussi un monstre déguisé. Mais en fait après c'est devenu notre ami parce qu'on a banni le... En fait il y a des monstres qui prennent possession des animaux de nos amis. Genre il y a un raton laveur et tout. Mais des fois ils prennent possession. Wow. Oh, je te baise. Wow. Beware. Putain, je suis devenu vraiment fort. C'est pas de l'imagination, c'est vraiment le scénario du jeu. Et à un moment on est allé dans le royaume des virus aussi. Pour sauver un écureuil. C'est une vraie question, c'est ce qu'il vient de poser là. Combien il y a de monstres? Et aussi à un moment on est allé au royaume des ordures pour récupérer la balle rouge. Mais le problème c'est que il y avait un dragon qui régnait sur le monde des ordures et il voulait pas nous donner la balle rouge. Il voulait l'échanger contre la blade, qui est la lame de nos ancêtres, les loups guerriers. Mais les loups guerriers en fait le problème c'est que c'est vraiment le symbole de... C'est un peu les ennemis des monstres. Même si on a appris en fait que notre sensei apparemment il était ami à l'époque avec un monstre qui était gentil. Et ça on a du mal à le croire mais apparemment c'est vrai.
confronte Acedia. On y va, le roi des monstres. Oh, tu as l'air fatigué. Oh, ton armée a l'air bannie. Mon armée? Ah non, c'était juste la première vague. Non. Quoi? Ta puissance ne durera pas éternellement. Soumets-toi à moi. Et j'épargnerai ta reine. Jamais. J'ai des milliers de monstres à ma disposition. Tu es tout seul. Hé hey, il ne l'est pas tout seul. Ça c'est le cerf qui nous a aidé à trouver des os. Donc on a pu rencontrer le roi lézard, qui était un tyrannosaure rex. Mais on l'a tué parce qu'on a mangé ses os parce qu'on avait faim. Ça c'est notre sensei, ça c'est la souris. Ça c'est le raton laveur, ça c'est le lapin. Ça c'est l'écureuil, avant c'était notre ennemi mais maintenant c'est notre ami. Et ça c'est Nian le cat, il était possédé mais maintenant on l'a dépossédé, c'est notre meilleur ami. Quoi? Et ça c'est le monstre, gentil. Non, Nian! C'est exactement ce qu'il a dit. Qui je vais tuer après? Il ment, champion, ne l'écoute pas. Il n'a pas assez de pouvoir pour le refaire. Tu as tué mon meilleur ami. Ah, où elles sont tes punchlines maintenant, champion? Tu as tué mon meilleur ami. Plus de répartie. Tu as tué mon meilleur ami. Prends ça! Prends ça! Je ne te pardonnerai jamais. Tu as tué mon meilleur ami. Tu as tué mon meilleur ami Monster Bigon. Oh, la race des chiens est tombée bien bas. Pourquoi tu ne veux pas Bigon? J'ai pu me manifester complètement et tu ne peux plus me bannir. Alors je devrais te tuer. Désolé, champion. Je ne voulais pas que ça arrive. Ça lag! Oh, il m'envoie des sphères! Il m'envoie des sphères des ancêtres! Mon ancêtre, il m'envoie des sphères! Boum! Oh, c'est trop tard pour passer un accord. Seulement si tu peux redonner sa vie à Nian. Tu peux faire ça? Non, mais tu veux la balle rouge, n'est-ce pas? Je peux te la donner. Oh, tu crois que ma balle rouge a seulement la moitié de la valeur de la vie d'un ami? Et alors, des os, tu ne veux pas des os? Non, tu ne sais même pas ce qu'est un ami, n'est-ce pas? S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi? Pardonne-moi, je suis désolé. Je partirai, je ne reviendrai jamais. Demandons à Nian. Nian, est-ce que tu lui pardonnes? Moi non plus. C'est génial. Champion, est-ce que tu sais pourquoi je ne t'ai jamais appris les voies de guerrier? Pourquoi, Sensei? Je ne voulais jamais voir cette haine en toi. Ce n'est pas facile de tuer, même un monstre. Tu ne comprendras jamais tant que tu ne l'auras pas fait. J'ai tué des centaines de monstres. J'ai même presque tué Amiticia. Les mémoires, les cauchemars, ils ne s'en vont jamais. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le bannir au royaume des virus. Demander à Sensei quoi faire. Le laisser revenir au royaume des monstres ou le tuer. Je pense que pour pas avoir trop de cauchemars, on va l'envoyer au royaume des virus. Hé, je sais quoi faire! Qu'est-ce que tu vas faire? Acedia, avant que je te bannisse au royaume des virus, je veux que Amiticia devienne le roi baron. Virus quarantine, je ne sais pas ce que c'est. Ah, tu préférais que je te tue? Virus quarantine, c'est bien, c'est très bien. Écoutez-moi, Amiticia devient le Dread Baron du royaume des monstres. Au revoir, Acedia. Non, parce qu'après on aura des remords et on a un bon chien, Monster Bigon. J'ai vu beaucoup de guerriers, pendant des années, se débarrasser de monstres sans vraiment les tuer. Je suis fier de toi, champion. Tu l'as fait, champion. Si seulement ça n'avait pas coûté la vie d'une des 9 vies de Nian. Boum! Niquez-vous, le chat. Vous voulez le tuer, vous êtes du côté obscur. Moi, j'étais du côté clair et je me suis dit, forcément, ça va bien se passer. Nian va être ressuscité. Nian, c'est la seconde vie que tu as perdue à cause de moi. Oh, merde. Je t'ai dit que je t'avais pardonné pour l'accident de la route. Mais cette fois, c'était pour une bonne cause.
Oh, donc il te reste combien de vie? Oh, tu sais pas que c'est pas poli de demander ça à un chat. Désolé. C'est ok, ça va, c'est pas grave. Merci tout le monde. J'ai échoué à ma quête, mais j'ai apprécié tout ce que vous avez fait pour moi. Au moins, la reine est safe. La reine est en sécurité. Champion, tu n'as pas échoué. Tu es devenu un guerrier. Et tu as vaincu le baron Acedia. Et je ferai en sorte que nos mondes soient en paix, les amis. Mais, et alors, pour la balle rouge, je ne peux pas demander à Panto de me ramener à Basura. Champion, la reine l'a jetée. Elle va en acheter une nouvelle. C'est ce qu'on essayait tous de te dire avant. Il ne coûte que quelques dollars au magasin. Comment? Je devrais retourner à mon monde, mais avant que je parte, est-ce que vous vouliez tous... Est-ce que tu veux toujours une montagne d'os? D'os? D'eau? Des os, tu sais? Des os! Des os! Donnez-moi tous les os! Des os! Des os! J'aime manger des os! Des os! Des os! Des os! Pas des os! Des délicieux os! J'aime manger tous les os! Tout, chaque chien a son jour. Mais qu'est-ce que c'était génial! C'était incroyable! Incroyable jeu! Incroyable jeu! Avec tous les assets qui ont été achetés, j'espère que je vais pouvoir. J'espère que 4€ ça rembourse les achats du développeur, puisque je dois être parmi les 2-3 acheteurs. J'espère qu'il a pu rembourser. Regardez, même le miaulement, voilà, tout ça il l'a acheté. Même les criquets, même le cerf, tout a été acheté. Même les ordures, il a tout acheté. Merci aux playtesters. Et merci vraiment à Andy Zelonis qui a créé ce jeu unique. Et encore une fois, merci aux youtubeurs, hein, qui, aux streamers. N'oubliez pas les streamers, s'il vous plaît. Qui ont joué à ce jeu. C'est ça qui l'a motivé à faire ce jeu, Dog's Quest, jour après jour. J'espère qu'un jour il y aura ma chaîne Twitch ici, dans le prochain jeu d'Andy. C'était Dog Quest. Il y a plusieurs fins du jeu. Non, je ferai pas les autres fins. Vous êtes tarés. Ouh, putain, je vous cache pas que je suis fatigué. Oh, putain, mais ce jeu. J'ai joué. On a joué 1h42. Putain, franchement, je suis désolé de vous infliger ça, mais franchement, si on est honnête les uns avec les autres, est-ce que ça valait pas le coup? Est-ce que on s'en souviendra pas toute notre vie, la petite partie de vie qu'on va vivre ensemble, quand vous allez regarder mes streams? Est-ce que vous êtes pas d'accord pour dire que quand même, c'est...